Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu dans cette matinée. Alléluia. Nous bénissons notre Sauveur. Bonjour à tous, à toutes mes frères et sœurs et amis, pour cette matinée encore. Pouvoir avoir la grâce de pouvoir se tenir. Cet endroit qui est merveilleux. Cet endroit secret dont Dieu se réjouit. Bonne journée à tous. Hein, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni. Bonjour Anita, que Dieu te bénisse, ma soeur. Bonjour Bogo, bonjour Claudine. Gloire à Dieu. Jiménez. Bonjour Chinoise. Alléluia, soyez bénis. Bonjour mon frère Coco. Dieu te bénisse, mon frère. On prie pour toi et on continue. Bonjour Olivier, que Dieu te bénisse, mon frère. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Sois béni. Béni. Alléluia. Bonjour Brigitte. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour Alexis Lopez. Madiana. Angelina. Soyez béni. Bonjour Lydia. Amen. Bonjour Sandra Jacques. Alléluia. Soyez béni dans cette journée. Gloire à Dieu. Se tenir devant Dieu. Je tiens à souhaiter une agréable journée à tous mes frères, tous mes sœurs qui sont connectés dans cette journée. Vous allez être bénis de la part de Dieu et vous savez, comme je dis d'habitude, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis simplement un frère qui essaie de s'encourager, de motiver la foi, de continuer dans ce combat de la session. Je pense que le plus important, c'est ça, d'être un bon conseiller, de ne pas avoir des titres. Je bénis Dieu pour ceux qui ont des titres, ceux qui ont une responsabilité d'église, ceux qui ont une responsabilité dans le comité, ceux qui ont des responsabilités importantes. Moi, je sais que je suis et je désire être ce bon conseiller, encourager mes frères et mes sœurs, ceux qui sont là, qui sont dans un besoin, de pouvoir intercéder avec eux, de pouvoir prier avec eux, de les soutenir. Voilà, c'est le désir de mon cœur. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse lire, avant d'écouter ce merveilleux cantique, vous allez voir, interprété par Briman et son épouse Nikita. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble nous puissions l'écouter. Vous allez voir, on va être bénis par ce couple. Amen. J'aimerais voir à toi, Jésus. Amen. Ce qui s'est passé, le bon berger, oui, Seigneur, a posé ses mains sur moi. Gloire à Dieu. Il est là. Ce n'est pas un... avec toi ce matin, alléluia. Crois-le. Amen. Quand je m'endors. Amen. Il est là quand je sors. Oui, il est avec toi, Jésus. Amen. Je suis dans ses bras. Amen. Gloire à Dieu. Il est là, alléluia.
Seigneur, alléluia. Sois béni ce matin. Amen. Crois-le. Oui, dans ton épreuve, il est là. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu nous as donné la preuve. Alléluia. Notre berger est avec nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Il est là, ce n'est pas un rêve. Jésus est là, quand je me lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Il est là. Gloire à toi, Jésus. Merci, notre Sauveur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ces temps que tu permets, encore une fois ce matin, de pouvoir se tenir, de pouvoir être là. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit notre Sauveur. Alléluia. J'aimerais que, avant de prier pour les malades, pour les détenus, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lire un texte de la parole de Dieu ce matin et encore hier soir. Hier soir, lorsque j'étais réuni avec ma famille et que nous étions là avec mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ, que nous avons pu partager un repas ensemble, fêter un simple anniversaire. Mais je sais qu'il y a une pensée qui m'a touché dans mon cœur. Et j'aimerais vous la partager ce matin. Qu'on puisse être encouragé, dirigé, orienté que vers lui. Lui, notre Sauveur, notre divin berger. Parce qu'il est là, dans ton problème, dans ta situation. Et tu vas le voir, et à travers cette lecture, je t'invite à pouvoir prendre ta Bible. Où que tu sois, dans ta maison, je te laisse le temps de prendre ta Bible. Et ça serait bien que chaque jour, à partir de 8h, tu mettes ta Bible tout près de toi pour pouvoir suivre ce qu'on va lire. C'est dans le premier livre de Jean, il y a quelques semaines déjà que j'y suis dessus, hein, sur ce livre, sur les évangiles de Jean, c'est le premier épître de Jean. Chapitre 2 du verset 15. Et il dira comme ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est fort, hein? N'aimez point le monde, on le sait, hein, tant que chrétien, on ne doit pas aimer le monde, les choses du monde. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est point en lui. Car tout ce qui est, et il le dit bien, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous savez, Christ, notre Sauveur, notre divin berger, n'est pas mort pour une voiture. Notre Sauveur à nous n'est pas mort pour une belle maison ou pour des meubles. Christ a donné sa vie pour toi et moi. C'est pour notre âme, pour que nous soyons heureux, que nous vivions l'éternité avec lui. Je sais que beaucoup, que ce soit des incroyants qui sont assoiffés de gain, qui vivent
que pour l'orgueil, et ça a été clair, ça a été dit, que des hommes, des femmes soient attirés par l'appât du gain, par une belle voiture, par une belle maison, par des jolis meubles. Vous savez, dernièrement, moi-même, écoutez-moi mes frères et sœurs, j'aimerais que ce soit pas mal interprété surtout. Moi-même, avec mon épouse, on est allé commander des meubles, parce que ça fait des années qu'on a les mêmes meubles, et c'est bien de se sentir bien chez soi, d'avoir de nouveaux meubles quand on peut. Ne pas s'endetter, voilà. C'est bien d'avoir une jolie voiture. Moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de moyen de locomotion. Je ne pouvais pas me déplacer pour... Parce que quand les malades étaient sur Montpellier, j'avais pas une voiture assez costaud. J'avais peur, j'avais crainte de pouvoir la casser en chemin. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai une petite voiture qui me permet de me déplacer, aller voir, visiter les malades. Béni soit Dieu. Dieu n'est pas contre que nous soyons bien, que nous soyons à l'aise. Quand nous arrivons de notre travail, que nous puissions nous reposer sur un canapé, que nous puissions avoir une table de quoi se nourrir. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu désire que nous soyons comblés. Parce que si nous sommes comblés, c'est en Jésus. Le fait d'avoir Jésus dans notre vie, nous sommes comblés. Mais c'est bien d'ouvrir notre frigo et qu'il y ait de quoi manger, de quoi boire, de quoi rassasier les enfants. Dieu est pour ça. Mais par contre, il y a des personnes, et voir des chrétiens, des chrétiennes, qui font passer les meubles, la maison, l'orgueil avant Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jugement, Dieu m'est le témoin. Dieu m'est le témoin, c'est simplement un constat pour que nous puissions réaliser combien Dieu aime et désire ce matin que nous fassions ensemble, ensemble. Mes frères, je m'y mets devant vous, que nous faisons passer Dieu en premier. C'est lui le divin berger, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres, libérés de tout ce qui nous a persécutés, ce qui nous a rendus tristes, angoissés. Faisons lui toute l'honneur de pouvoir prendre toute la place. Alléluia, il y a encore un verset que j'aimerais vous citer. C'est ce verset ici qui dit, même à Jésus, le diable dit qu'il le transporta encore sur une autre montagne élevée et lui montra tous les royaumes et toute leur gloire, la gloire. Même à Jésus, le désir de l'ennemi, c'est de te faire monter en orgueil, que tu te vois au-dessus de tes frères, que tu sois l'homme comblé, la femme qui, quand on rentre chez eux, voilà, les gens sont épanouis. C'est beau, mes frères, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais que cela ne prenne pas la place de Dieu. Il vaut mieux vivre dans une cabane, éloigné peut-être de tout le monde, mais être près de Dieu. C'est le conseil de ce matin. Ce matin, j'avais ce verset dans mon cœur et j'aimerais tellement que tu puisses le prendre dans ton cœur et de pouvoir le vivre, de pouvoir rester attaché à Jésus. La Bible dira clairement, il dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, gloire à Dieu. Voilà, pour moi, je pense que ce matin, ça a été clair. Ce que nous devons passer à un stade déjà différent. Partir de ce matin, Seigneur, si que ce soit la prière de nos cœurs ce matin, Seigneur. C'est vrai que nous désirons, et il y a des familles. Je vis dans un quartier où vraiment il y a de la misère. J'ai regardé dernièrement un homme, et je ne savais pas, je ne connaissais pas. On m'avait dit déjà par les journaux, des hommes m'ont posé des questions sur cet homme qui pèse 300 kilos. Il est isolé dans sa maison. On ne peut le sortir à cause de cette maison qui est insalubre.
On ne peut le sortir ni par la porte, ni par la fenêtre. Il faut une grue, il faut des choses. Voilà, il faut du matériel, et les gens ont peur. Ça fait plus de 6 mois qu'il est enfermé chez lui, par terre. C'est terrible. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre une vie orgueilleuse, se permettant de faire passer nos choix, ce qui nous plaît à nos yeux, avant les choses de Dieu. C'est terrible. Mes frères et sœurs, je pense qu'on doit s'appliquer, non simplement vivre une vie chrétienne d'étiquette. Parce que il y a un verset qui nous dit comme ceci: ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Ce sont des paroles de Jésus. Ce sont des paroles de Jésus. Jésus lui-même dira cela. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ce matin, c'est si jusqu'à maintenant, j'ai fait passer mon moi avant Dieu. Je veux que ce matin, tu prennes toute la place, Seigneur. Je veux m'attacher à toi. Je veux avoir mes regards fixés sur toi. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un quartier qui est un des plus pauvres d'Europe. C'est terrible, hein? Mais nous avons le Père Céleste qui est riche en miséricorde. Et si nous avons lui, comme je vous ai dit auparavant, même si nous habitons dans une maison ou dans un appartement où nous sommes parfois mal logés, le fait d'avoir Jésus dans votre vie, vous avez tout, mes frères et sœurs. À quoi bon avoir une table garnie si on n'a pas l'appétit? Si on a des querelles, la Bible dira que il vaut mieux un morceau de pain sec avec Dieu que d'avoir une maison remplie de viande avec des querelles. La Bible dira aussi que malheur à l'homme qui se confie en ce qu'il a. Nous avons vu dernièrement cet homme qui avait abattu tous ses greniers, qui avait réussi dans la vie, dans tout ce qu'il avait récolté. Ça lui avait apporté jusqu'à un moment qu'il doit tout casser, abattre ses greniers pour en faire de plus grands. Et dans ce bonheur, lui pense qu'il est béni et il parle à son âme et il dit: mon âme, maintenant que tu as du bien pendant des années, tu vas te reposer, prendre du bon vivre, tu vas partir en vacances. Et là, la voix de Dieu, il lui dit: insensé que tu es. Ton âme que tu disais à toi a été prêtée. Tu es insensé, ton âme peut être redemandée ce soir. Cherchons cette communion avec lui, cette intimité. Cherchons à connaître vraiment la volonté de Dieu pour notre vie. Attachons-nous ensemble à lui. Davantage, nous vivons les temps de la fin, mes frères et sœurs. Nous allons rentrer encore dans un temps de... Prions pour l'enfant de 8 ans, d'accord. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Béni soit Dieu. Nous allons faire une lecture. Je voulais reprêcher encore. Non, nous allons prier plutôt. Nous allons prier pour cette liste de malades. Je sais qu'il y a beaucoup de cas. Hier, j'ai eu un père de famille, un senior. Nous avons prié pour son épouse. Nous avons prié pour Goustine. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a guérie de sa leucémie. Dieu a été avec elle lorsque on lui a fait cette greffe. Mais hier, ils ont eu des petits accrochages avec leurs enfants. Et j'aimerais les bénir. Je pense que ce matin, je vais les appeler. Que Dieu puisse les bénir ensemble, les réconcilier. Qu'il n'y ait pas aucune querelle, au contraire.
famille, que ce foyer soit en paix, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les remplir et les inonder de cette paix de Dieu. Alléluia. Il y a des cas importants. Nous allons les lire. Hein? Nous allons les lire. C'est... Nous continuons à prier. Christian, j'ai vu son papa hier. Je sais qu'ils sont à Paris en ce moment. Ils ont fait son traitement. On a dû le tenir, le garder un peu là-bas parce qu'il était un peu fatigué. On a fait son traitement. Et nous voulons continuer à prier pour lui, afin que Dieu puisse le guérir, que Dieu puisse agir dans sa vie. Nous voulons prier et continuer pour Magali, hein, malgré sa maladie, elle a été touchée. Elle a été touchée par le virus. Nous voulons la bénir, hein, que Dieu puisse continuer. Que Dieu continue à la bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour Paula, son problème, sa maladie. Qu'il y ait une délivrance, que Dieu puisse la bénir. J'ai plus de nouvelles. Tu puisses me contacter, ma soeur. Hein? Tu puisses te connecter avec nous dans la prière de nouveau. Et n'hésite pas à m'appeler, tu as mon numéro. C'est quand tu veux, on est là. Nous voulons continuer à prier pour Max, pour son pointage cardiaque. Pour mamie, hein, qui a son problème de lien. Prions pour Cathy, pour Nadia. Continuons à prier pour Anita, que Dieu puisse la bénir. Pour Géraldine, nous prions pour Monique. Je sais que jeudi, on doit l'opérer. Peut-être qu'on va lui enlever un rein. Mais nous voulons prier que Dieu puisse intervenir. Par la grâce de Dieu. Nous continuons à prier pour le petit Maïlan. Hein, le petit qui a été touché par cette bactérie. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous sommes allés le visiter sur l'hôpital de Montpellier. Par la grâce de Dieu, ça va mieux. On a trouvé le traitement qu'il fallait. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Par contre, pour Jean-Luc, hein, celui qui avait fait donc, cette méningite, par la grâce de Dieu, normalement, il ne va pas tarder à descendre. Tout s'est bien passé. Sachez bien qu'il est monté sur Montpellier et il ne connaissait plus personne. Même plus sa famille proche. Il demandait qui c'était. Et Dieu, au travers de la prière, de son peuple, de ses bien-aimés, de ses enfants, Dieu a permis qu'il puisse se guérir. Alléluia, qu'il puisse le guérir. Amen. Nous voulons continuer à prier pour Olivier, pour le foyer de mon frère. De prendre courage, de pouvoir s'attacher aux promesses de Dieu. Alléluia. Nous prions pour Joël, pour sa hanche, que Dieu puisse le restaurer, que Dieu puisse le bénir. Je prie pour les foyers, qu'il soit restauré, qu'il soit renouvelé. Que tous les foyers du monde entier, ceux qui ont été brisés, ruinés par l'ennemi, que Dieu puisse se rebâtir au milieu de ces ruines. Oui, Seigneur, tu rebâtis au milieu de ces ruines. Tous ces couples qui ont été dispersés, éloignés, séparés, Seigneur, te demandons de les réconcilier, de les bénir. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voulons prier pour ces petits-enfants. Il y a un enfant qui a été touché par une bactérie, hein, s'appelle Mia. Nous voulons continuer à prier pour José, hein, de 4 ans. William, qui a eu une opération cardiaque, qui a eu des problèmes cardiaques. Nous prions pour un enfant qui doit faire une fibroscopie. Son estomac est abîmé. Et nous continuons à prier pour ses enfants. Alléluia. Et ensuite, nous prierons pour les détenus. Alléluia. Nous voulons prier pour cet enfant qui a été brûlé. Pour cet enfant qui a été brûlé vraiment à 60%. C'est un dégât. Il y a eu un accident, je pense. Nous voulons les présenter, les tenir devant Dieu, les porter devant Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, avec un cœur ému, avec un cœur passionné, parce qu'au travers de tout ce que nous avons cité, Seigneur, toutes ces personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont touchées par l'épreuve, par la solitude, par la séparation, par le deuil. Seigneur, nous te les portons devant toi, parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons la solution. Tu as ce baume d'amour, Seigneur, qui vient cicatriser nos blessures, nos meurtrissures, Seigneur. Par le passé, par des trucs qui sont
du tout à coup du monde. Tout allait bien. Et du jour au lendemain, on a été diagnostiqué malade. Ah Seigneur. Seigneur notre Dieu. Te présentons Christian, Seigneur. Te demandant de le bénir, Seigneur. Tu vois que il fait son traitement sur Paris, Seigneur. Il se trouve là-bas tout seul, Seigneur, dans une si grande ville, dans un si grand hôpital, traité, soigné. Il est fatigué, Seigneur. Te demandant de poser tes mains bénissantes, Seigneur. Tes mains puissantes, Seigneur, sont capables de transformer ces résultats négatifs. Seigneur, te demandant de le guérir, s'il te plaît, par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, te demandant d'agir pleinement dans sa chambre d'hôpital, te demandant d'intervenir, Seigneur, que tu sois ce docteur divin. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Ta parole nous dit que le ciel et la terre passera, mais ta parole ne demeure éternellement. Nous croyons que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui. Te prions, nous intercédons pour ces cas. Seigneur, nous voulons te présenter Magali devant toi. Il y a des mois que nous prions pour elle. Seigneur, je sais que tu es en train d'agir dans son cœur, dans son corps. Tu vois qu'elle a été touchée aussi par le Covid. Demandant de la bénir, Seigneur, de la soutenir, à supporter. Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis sa famille. Alléluia, Seigneur, nous te faisons confiance, notre Dieu. Nous avons pleinement confiance en toi, Jésus. C'est par la foi que nous nous approchons de toi. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre Père Céleste. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Et tu nous as dit dans ta parole de prier les uns pour les autres. Et ce matin, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus de prier, Seigneur, à distance. Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour tous ceux qui sont dans leur lit d'hôpital, pour tous ceux qui sont, Seigneur, dans l'angoisse, dans la dépression, ceux qui vivent aujourd'hui même un divorce. Alléluia, Seigneur, nous te les portons devant toi, devant le trône de la grâce, où tout est transformé, où l'impossible devient le possible. Et par la foi, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pour recevoir ce miracle. Nous voulons recevoir ce prodige, cette transformation, que du naturel survienne le surnaturel. Alléluia. Par le moyen de la prière, nous le croyons. Oui, Seigneur. Oui, mon Jésus. Alléluia. Nous voulons t'apporter notre sœur Paula, Seigneur, te demandant de la libérer de toute angoisse, de toute dépression. Te demandant de la guérir, Seigneur, de la libérer. Tu bénis son foyer, ses enfants, sa famille. Seigneur, agis dans son cœur, dans son corps. Qu'il y ait une pleine délivrance, Seigneur. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous prenons autorité. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu libères, Seigneur, tu transformes. Alléluia. Nous prions pour Max, qui a eu, Seigneur, ce pointage cardiaque, te demandant de toucher son cœur, de le garder, de le bénir, Seigneur. Révèle-toi en lui, Jésus. Te prions pour Mamie, Seigneur, qui est liée par les liens de la drogue. Seigneur, te demandant une complète, Seigneur, délivrance, totale délivrance, Seigneur, au nom puissant de Jésus, comme tu l'as fait pour moi, et pour certains, et pour beaucoup, que tu brises tout lien d'addiction, de drogue, de cachet, d'alcool peut-être. Tu brises, Seigneur, tu te révèles en elle, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Te prions pour Cathy, Seigneur, pour son foyer, pour ses enfants. Seigneur, te demandant de la guérir, de la garder. Tu es avec elle, Seigneur. Comme disait ce cantique, Seigneur, tu es là. Tu es notre divin berger. Tu prends soin de tes brebis. Tu ne nous abandonnes pas comme on fait certains. Nos proches peuvent nous abandonner.
Un mari peut abandonner son épouse. L'épouse peut abandonner son mari. Peut abandonner ses enfants. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu sera avec toi pendant ton épreuve. Alléluia. Pendant ta situation. Pendant que tu es en train de pleurer. Pendant que tu es en train de souffrir. Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prions pour Anita. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu puisse réconcilier son foyer. Que Dieu puisse bénir ses enfants. Qu'il puisse être ce foyer qui te serve, Seigneur. Qu'il puisse être ce béni foyer, Seigneur. Ce foyer qui te sert de tout son cœur. Qu'il y ait une transformation auprès de son mari. Merci pour la foi, la confiance que tu mets dans la sœur. Alléluia. Garde la foi, ma sœur, en ton Sauveur, en ce Seigneur rempli d'amour, de compassion. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier pour mon ami Olivier, pour son foyer, pour son couple. Seigneur, tu comprends et tu vois sa solitude. Tu vois son manque, Seigneur, qu'il y a dans son cœur. Ce vide, te demandant de le combler par ta personne. Alléluia. Nous voulons te faire passer en premier. Nous voulons vivre que pour toi, Jésus. Nous sommes des passionnés de Jésus. Tu es notre divin berger, notre Père céleste. Tu es notre roi des rois, Seigneur. Et même quand nos cœurs seront troublés, quand il y aura des questions sans réponse, nous voulons lever nos yeux, alléluia, vers les montagnes. Et même si on se pose cette question, d'où me viendra mon secours? Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Nous prions pour notre ami Joël, que Dieu puisse le guérir de son problème de hanche. Que Dieu te bénisse, mon frère, sois béni et continue à partager ta foi comme tu le fais si bien par tes messages, par le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Nous prions pour une sœur qui s'est éloignée de Dieu. Il y a un frère qui m'a repris hier quand j'ai cité le mot rétrograde. C'est vrai que c'est agressif, c'est violent. Des fois, on a besoin de changer des noms. Et je suis cet homme qui se laisse reprendre. Parce que je sais que parfois on est élancé dans nos prières et qu'il y a des mots qui blessent. Le fait de dire rétrograde, moi-même j'ai été rétrograde dans ma vie. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Et pendant quelques années, j'ai servi mon Dieu de tout mon cœur. Et puis j'ai commencé à rétrograder, à manquer des réunions, à aller dans des choses du monde. Et j'ai rétrogradé pendant des années. Mais pendant ces années, le Seigneur touchait mon cœur. Parce qu'il y avait toujours cette semence. Et ma sœur, toi aussi, même si tu t'es écarté pendant un temps des choses de Dieu, sache qu'il y a une semence dans ton cœur. Que Dieu n'éteint pas le luminium qui fume. Oui, Dieu te voit dans ta situation. Et il t'appelle à revenir à la maison du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous prions pour ses enfants, pour William, pour José, pour Mia, pour ce jeune enfant aussi qui est de 8 ans, qui s'est brûlé. Nous voulons les porter devant le trône de la grâce. Que Dieu puisse les bénir. Alléluia. Et dans tes mains, Seigneur, tu vois la souffrance de ses enfants, la souffrance de ses parents. Te demandant de les bénir, Seigneur, révèle-toi à eux. Dans leur lit d'hôpital, Seigneur, tu vas les visiter. Tu les guéris, Seigneur, tu poses tes mains. Comme tu as posé tes mains sur ces enfants, que tu as dit, laissez venir les enfants à moi. Seigneur, bénis ces enfants qui ont besoin de ta grâce. Révèle-toi à eux et qu'au travers de cette situation, tu puisses te révéler à leurs parents. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Nous sommes presque au temps de prière pour les détenus. Nous avons une quinzaine de minutes. Et nous voulons prier pour nos amis, pour nos frères, qu'ils sachent que l'Église de Dieu, que le groupe de prière est là, chaque matin, pour prier
intercéder pour eux, pour leur conversion. Non simplement que Dieu les sorte de leur endroit. À quoi bon sortir de prison et refaire la même vie, les mêmes mensonges, les mêmes addictions? Dieu ne peut pas agir. Et comme disait le texte d'introduction, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Il est impossible que Dieu puisse agir favorablement, sachant que des hommes sont emprisonnés aujourd'hui pour des délits graves. Je sais qu'il y a des personnes sur le temps, sur le mauvais moment, ils ont commis des actes mauvaises. Et aujourd'hui, ils sont condamnés par la justice humaine. Mais qu'au travers de ces temps d'incarcération, puissent reconnaître que le seul qui peut les sortir de cet endroit, c'est Jésus. Les sortir avec une nouvelle identité, une nouvelle créature. La Bible dira dans le livre de Romains, chapitre 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Ton péché est pardonné. Tu vas ressortir de cet endroit libre, libre de toute addiction, libre de ce maître qui te tenait esclave. Tu vas servir ton Dieu, ton Sauveur, avec ton foyer, avec tes enfants, apprécier les bonnes choses de la vie. Alléluia. Nous voulons prier pour tous nos amis. Nous voulons prier pour Monzo qui a son caractère, Monzo qui est dur, Monzo qui a connu les vrais moments, c'est vrai, de la vie, dans le luxe, dans les vacances, dans les meilleurs endroits, mais aujourd'hui il se trouve en prison, dans cette cellule où il est privé de sa famille, où il est privé de liberté. Sa renommée ne compte plus. On te met au plus bas. Ton orgueil tombe. Que Dieu fasse qu'il puisse rencontrer Jésus. Alléluia. Et si on rencontre Jésus dans sa cellule, on est l'homme le plus heureux, le plus libre. Sachant que dehors, il y a des hommes, des femmes qui traînent dans les rues parce qu'ils sont liés par leurs péchés, par la drogue, par l'alcool, par les cachets. Oui, on peut être en cellule et on peut être libre. Libéré de tous nos péchés, de tous nos liens, de toutes ces pensées mensongères qui nous persécutaient chaque jour. D'aller, fais et fais ça, drogue-toi, va voler, fais ceci, fais cela. Nous prions pour ces hommes, pour ces femmes qui sont en prison, qu'ils puissent avoir une véritable conversion en Jésus, qu'ils puissent chercher à connaître l'identité véritable de Jésus. Et la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Nous prions pour son foyer, pour ses enfants, pour qu'ils soient éclairés, pour que ses écailles puissent tomber et qu'ils puissent voir la splendeur de l'Évangile. Alléluia. Nous prions pour notre ami Coco. Alléluia, que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse continuer à le bénir puissamment dans son foyer, avec son fils Zao, te demandant de les bénir, Seigneur, de les garder. Je sais que bientôt arrive ce jour J. Je sais que encore ce matin, il y a un processus qui se passe. Que Dieu te bénisse, je ne veux pas en dire plus, mais je sais que Dieu connaît toutes choses. Que Dieu permette que tu puisses sortir bientôt, Seigneur. Que tu puisses le libérer, le sortir de cet endroit. Et qu'il puisse vivre cette vie heureuse, de joie, de paix en Jésus. Qu'il puisse renoncer à tout ce que les amis du monde puissent lui donner. Qu'il sache dire non, c'est fini. Je suis devenu un chrétien, un enfant de Dieu. Celui qui dit non au monde. Je ne veux plus être ami du monde,
mais je veux être ami de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse continuer à bénir Frédéric. Je sais qu'il a eu une lourde peine. Il a été condamné à une lourde peine. Mais pendant son temps d'incarcération, avec Enzo, qu'il puisse chercher à te connaître, qu'il puisse chercher à avoir des temps d'intimité avec toi, Seigneur. Touche leur cœur, réveille-les dans les nuits. Fais qu'ils puissent te chercher dans la prière, dans la communion. Ces prières qui touchent le ciel, qui fait mouvoir le bras de Dieu. Oui, tu te manifestes, tu bénis leurs enfants, tu bénis leur foyer. Alléluia, tu les gardes, Seigneur, tu les protèges. Gloire à toi. Seigneur, je veux te présenter Nino. Je sais que ce matin, il faisait un test pour savoir si oui ou non, il avait ce Covid. Seigneur, te demandant de le bénir, de toucher son cœur. Sois avec lui, Seigneur, notre Père Céleste. Bénis-le, c'est quelqu'un qui s'est écarté de Dieu. C'est quelqu'un qui a connu les choses de Dieu. Te demandant de le bénir, Seigneur. Son cœur s'est endurci par sa peine de prison, par ses mauvaises nouvelles, parce qu'il a été séparé de sa femme, de ses enfants, privé de liberté. Aujourd'hui, il se trouve dans une prison près de Paris, tout seul, besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu touche son cœur, que Dieu puisse le protéger de ce virus, Seigneur. Garde-le, mon maître, mon sauveur. Je veux te prier pour Jason, pour tout petit, qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. C'est un père et un fils qui sont en prison, tous les deux, séparés de prisons différentes. Et c'est tellement dur. Mais nous te les portons devant toi, Jésus, te demandant de les bénir, de transformer, de les libérer, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Sauveur. T'apportons Waldi devant toi, Jésus. Te demandant de le bénir, de poser tes mains, Seigneur. De transformer, de libérer. Qu'il puisse chercher à te connaître. Que dans ces temps d'incarcération, Seigneur, puisse faire appel à toi. Qu'il puisse te chercher, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Te présentons Mike, qui a été condamné aussi à une longue peine. Te demandant de le garder, Seigneur. C'est le frère de Paula. Étends tes mains sur lui, Seigneur, bénis-le. Révèle-toi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Te demandant d'aller visiter, Seigneur, tous ces détenus, Seigneur, qui ont besoin d'une délivrance, besoin d'avoir, Seigneur, cette nouvelle vision des choses. Qu'ils soient libérés de tout ce joug qui pèse sur leur épaule, Seigneur, à travers de la condamnation, de la séparation. Te demandant de les bénir, de les garder, Seigneur. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur ce matin, Seigneur. Alléluia. Voilà, il est presque 9h, mes frères et sœurs. Merci à vous tous d'avoir été là, de pouvoir nous soutenir dans ces temps de prière, dans ces temps d'intercession pour tous nos malades, pour tous ces problèmes de foyer, pour tous nos amis qui sont détenus. C'est un travail immense. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse nous donner encore à pouvoir être ces hommes, ces femmes, se tenir devant Dieu pour ces temps bénis d'intercession. Nous savons les temps que nous vivons, mes frères et sœurs. Ne perdons plus de temps. Oui, nous voulons prier pour Antonio. D'accord. Nous allons prier, pour finir, nous allons prier pour Antonio. Il a besoin de la grâce de Dieu. Sachant que nous vivons les temps de la fin, mes frères et sœurs, ne perdons pas de temps à faire du n'importe quoi. Cherchez ce qui est agréable à nos yeux. Ça n'a pas de valeur. La Bible dit que tout passera. Tout passera. Mais sa parole demeure éternelle. Alléluia. Cherchons ensemble. Nous avons besoin de chercher ce qui est de meilleur. La présence de Dieu, d'être près de lui. Faisons-lui confiance entièrement. C'est ça la foi véritable. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Tout notre cœur. Soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous utiliser. Au travers de ces temps que nous avons passés.
qu'il y ait un mot pour toi. Seigneur, nous voulons te faire passer le premier. C'est vrai, si jusqu'à maintenant, j'étais cet homme, cette femme qui était que pour moi, pour me soigner moi-même, pour me soigner physiquement. C'est bien d'être beau et de belle, que Dieu fasse, que vous soyez beau et belle. Mais le plus important, c'est notre cœur. Vous savez, il y a des personnes, des artistes, qui, des jeunes, ont été des princesses. Mais avec le temps, c'est ça, le temps, avec le temps, on vieillit. Et malheureusement, voilà, cette beauté se fane. Mais par contre, c'est notre intérieur qui a besoin. Notre intérieur a besoin de se renouveler. Et si jusqu'à maintenant, nous avons été trompés par ce que nous voyons, nous voulons cette fois, Seigneur, s'attacher davantage à toi. Nous vivons les temps de la fin. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ces temps. Que tu bénisses chaque frère, chaque sœur. Amen. Soyez bénis. Amen.